Salut, bienvenue sur la chaîne. Bon, j'ai beaucoup mis ensemble et à force on a trouvé le sans fail. D'accord? Donc ça va être le glitch des appartements de Las Vegas. Votre glitch de Las Vegas, il est là, il a mis du temps. Voilà, vous allez 5 fois sur 5. D'accord? Tous ceux qui ça fait toujours plaisir. Plus on est de fou, plus on rit. Donc le glitch, il est simple. En placement 4, 5, 6, sur un perso, vous mettez les appartements les plus chers. Donc c'est les 3 à 1 million quasiment. 1 million, il y en a 900 000. D'accord? Si vous en avez plus que 2, vous prenez des garages de place en plage qui a. D'accord? Donc vous verrez la manip. Suivez la manip jusqu'à la fin. Il nous faisait planter. Donc moi j'y arrivais pas. Après j'ai réussi. Je réussissais une fois sur 3. Je réussissais 2 fois sur 3, il y avait toujours un fail. Là, je fail plus. Je réussis à tous les coups. Vous allez en mode histoire, vous allez appuyer sur option. Vous allez sur jeu et charger. Vous allez charger une sauvegarde que vous avez dans GTA. Vous allez cliquer sur cette sauvegarde. Ça vous évitera d'aller faire le braquage. Vous savez, ça vous lance le braquage sinon, c'est à cause d'un patch. Là, vous mettez charger, vous chargez là, celle du haut. Bah. Vous n'aurez pas besoin de munitions, rien. On mettra des balles explosives. Donc les potos, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. On compte sur vous, on a besoin de vous, du soutien. Un petit like, comme ça la vidéo, elle sera visible par tout le monde. Et voilà, hein, un petit commentaire si vous avez gagné, combien vous avez gagné, tout ça nous intéresse. Donc moi je sais que j'ai des collègues qui sont déjà à plus de 40, 50 millions. Ils arrêtent plus. Ils arrêtent plus les gars, moi je vous le conseille. Régalez-vous sur ce glitch. Donc c'est le meilleur glitch qu'il y a jusqu'à aujourd'hui sur GTA. Sans fail, ça va être énorme. Voilà. Si vous faites ça toute la nuit, vous êtes en place. Allez, dès que vous arrivez en mode histoire, vous allez lancer le mode éditeur. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans paramètres, vous mettez matin. Comme dans le temps, beau temps. Il faudra que ça soit le matin, vous le mettez balle explosive et après vous lancez votre mode de réalisation. D'accord? Donc moi je m'emmerde pas, je mets réapparition dernière position hein, sur les joueurs online. Je pense pas que ça soit indispensable, mais faites-le, c'est peut-être pas plus mal. Donc là, maintenant, c'est là le bug. Ok? Je vais appuyer sur option. Je reste appuyé sur option. Je vais tirer et lâcher option en même temps. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai raté. Faudra que je voie l'impact au sol. Donc, une grosse boule rouge. Et que j'ai réussi à ouvrir mon menu. Start. Donc, je peux recommencer tant de fois que je veux. On s'en fout. Là, je choisis l'arme. Je vise par terre, pas trop près, pas trop loin. Je reste appuyé sur option. Je tire et je lâche en même temps. Allez, j'ai raté. J'ai pas besoin de faire de montage. Voilà. Vous allez un peu galérer là. C'est tout. Le glitch, il est là. Le plus dur, il est là. Le reste, c'est respecter ce qu'on vous montre sur la vidéo. Et vous ne pouvez pas rater le coup. Allez, je reste appuyé sur option. Je tire et je lâche. Et vous allez entendre comme un bruit de canette. Juste avant que vous lâchiez le menu option, là. Dès que vous aurez réussi, vous aurez un bruit comme le. C'est le tir. Mais ça va faire comme un petit push.
vous verrez un gros impact au sol avec votre menu Start ouvert. Allez, je tire et je lâche option en même temps quasiment. Là j'étais trop vite. Vous voyez, là on voit pas d'impact, on voit rien. Ça sert à rien d'y aller. Vous risquez de pas avoir votre menu comme ça. Il vaut mieux y aller avec le bon timing. Ça veut dire que vous partez d'ici, vous êtes sûr que vous le réussissez. Parce qu'après, sinon il va falloir balader en mode histoire, revenir ici, vous allez perdre du temps. Donc après, là je rate parce que je suis en vidéo, j'ai un mauvais timing du coup, mais sinon je réussis à tous les coups. Donc moi la vidéo elle est rec hein, une seule fois. Je fais pas de montage, je fais rien. Voilà. Parce que si j'ai besoin de faire des montages, c'est qu'il y a des moments difficiles et je vous les montre, ces moments difficiles. Moi j'ai rien à prouver à personne. Tous ceux qui me suivent, ils sont riches. Ouais. Donc moi mon objectif c'est ça. Allez, on va recommencer. Je reste appuyé sur option. L'option. Je vais tirer et lâcher quasiment en même temps. Là, j'ai raté. Si vous ratez, vous laissez suicider, vous revenez à cette caravane. Vous verrez, c'est pas aussi difficile que dans la vidéo. Donc là, j'ai rec une fois. Je l'envoie comme ça, comme il est. Là, vous voyez, vous avez vu l'impact qu'il y a? Dès que vous avez cet impact, le petit pchit, c'est ok. Je lance éditeur, il faudra pas que l'éditeur me tue. Voilà, il faudra pas que ça me tue. Dès que vous avez lancé éditeur, vous aurez le menu bugué. Vous faites récent, vous cliquez sur récent, flèche du bas, X. Et là, ça va me changer de menu. D'accord? Une fois que vous avez changé de menu, vous appuyez sur Options, vous allez en ligne et vous allez choisir personnage. Donc là, je vais choisir le personnage. Là, il me faut le personnage qui a les appartements les plus chers. Ok. Donc là, ça sera pas la fille, ça sera le mec. C'est lui qui a les appartements chers. Et là, vous allez bien écouter. Vous allez respecter cette étape. C'est là que vous n'allez pas fail, d'accord? C'est à ce moment-là. Donc là, je vais cliquer sur lui, je vais avoir un menu quasiment infini. Donc là, vous voyez là, ça va rester assez longtemps. Et là, surtout, dès que je vais avoir le message d'alerte, je vais compter entre 7 et 10 secondes. 7 minimum. Vous comptez jusqu'à 7 tranquillement. Et là, vous allez valider, faire PS4, fermer le jeu. Donc le glitch, c'est là qui va être le moment crucial du glitch, il est maintenant. J'insiste bien sur ça les gars. On vous a trouvé ce petit bug. Donc le glitch, on ne le faisait pas entier. C'est pour ça qu'on ratait une fois sur deux. Allez, on patiente un peu. On attend le message d'alerte. Là, avec ce message d'alerte, vous comptez jusqu'à 7 minimum. Dès que vous avez compté jusqu'à 7, vous le validez ce message. Vous faites PS4, fermez l'application, vous fermez le jeu complètement. Et là aussi, il va pas falloir se rater, c'est que vous allez démarrer le jeu. Après,
vous allez voir la femme dans la cinématique. Après la femme, il y a un écran noir. Et de suite, vous allez spammer L1, R1. Il va falloir que vous ayez recalibrage de la luminosité. Là, vous voyez, je vais avoir un écran noir. Là, dès là, maintenant, je spamme L1, R1 à fond. Spammer, ça veut dire que vous vous appuyez plusieurs fois sur L1, R1. Certains pourront rester appuyés, ça fonctionnera. Mais moi, je vous conseille spammer L1, R1. Appuyez plein de fois jusqu'à temps que la cinématique soit passée. Et là, le jeu va vous proposer le recalibrage. Là, ça veut dire que vous avez fini le glitch. Vous avez tout fait comme il faut. Vous avez juste à aller vendre vos... Vos garages, donc vous revendrez, parce que les prix auront changé en fait. Les prix du personnage 1 seront passés sur le personnage 2 en très cher. Donc là, recalibrage, on est obligé de retourner en histoire et après on retourne en ligne. Je vais vous montrer jusqu'à temps que je vais vendre. Encore un gros merci à Stuka et Vico, ces deux potos que j'ai sur GTA, qui suivent la chaîne YouTube, et que dès qu'ils ont trouvé la manip, ils sont venus me la dire, les gars. Ils assurent grave, grave. Voilà, c'est des abonnés à la base, ils sont venus, on s'est invité en ami. Et maintenant, c'est tous les abonnés qui m'aident à trouver les bugs et tout. Tout seul, on fait rien. Donc quand c'est pas Stuka, Vico, c'est Jojo, c'est Sam, c'est José. Voilà, c'est des mecs énormes. On fait que des recherches, quoi. Nous, les millions, on les a. Alors après, on s'amuse entre nous, mais souvent, on cherche des bugs, voilà. Pour vous dépatouiller. Il y en a plein, ils n'arrivaient pas. Là, vous allez vous rembourser tout l'argent que vous avez gaspillé. Voilà, les gars, vous allez réussir. Donc, ceux qui n'ont pas le double menu, essayez de changer votre timing. Le double menu, il correspond à quand vous allez vous suicider. Voilà. Donc essayez de vous trouver le bon timing, ce double menu, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Tout le monde a le double menu. Allez, là je sors, je vais me mettre en mode online. Donc après, pour débugger votre console aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous éteignez votre console complètement. Vous la rallumez sur le bouton de la console. Vous restez appuyé, ça va faire bip. Et dès que vous avez le bip, vous branchez votre manette, il va vous dire rallumez votre manette. Vous aurez 7 choix sur la télé. Vous faites le choix 5. Et ça, en cas, vous faites cette manipulation, faites-la 2 fois d'affilée. Quand vous avez fini la manip, vous êtes sur votre utilisateur, vous rééteignez, vous réappuyez le bouton, bip, vous le faites 2 fois, et réessayez le glitch comme ça. Ça risque de vous débugger votre console. Allez les gars, là on va passer à la banque. Donc on va passer au moment le meilleur du glitch. Donc en gros, vous voyez, ça va être 1 400 000 en 15 minutes. Énorme. Cet argent, il ira dans vos activités et tout. Ah, c'est vraiment le top niveau. Allez-y, lancez-vous les gars. Là, vous avez toute la nuit. Je vous balance ça le plus tôt possible. Régalez-vous. Donc je vous ai déjà donné les likes dans les lives. Pas besoin d'attendre. Parce que le temps que je vous poste la vidéo, le temps il passe. Allez. Là maintenant je suis revenu avec mon joueur.
Vous avez vu tout à l'heure, ils avaient l'appartement pas cher en emplacement 4, 5, 6. Donc là, maintenant, j'ai le prix cher en emplacement 4, 5, 6. Et je rachète encore les appartements pas chers. Et là, je vais gagner la différence. Vous allez dans Dynasty 8. Vous mettrez trier par prix, un coup croissant, un coup décroissant pour avoir les moins chers. Là-haut, là. Et bim, 25 000. Hop, vous remplacez par l'appartement 4, 5, 6. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez tout remplacé. Vous remettez la roulette des personnages. Vous allez sur un personnage en ligne. Donc logiquement, ça marchera avec tous les personnages en ligne. Si au pire ça ne fonctionne pas, ben, vous échangez. Donc vous mettez les appartements chers sur celui qui les a pas chers et pas chers sur celui qui les avait chers. Essayez de switcher les personnages. Mais logiquement, ça va fonctionner. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va bien vous servir, les potos. Je vous fais une grosse bise. Encore merci à tous les abonnés, tous les nouveaux. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Un petit like, parlez-en à tout le monde, les gars. On a besoin de vous. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao. On est là. Thank you.